Mesdames les présidentes, mesdames les maires, messieurs les présidents, messieurs les maires, madame la conseillère départementale, mon cher Damien, nous sommes heureux de vous accueillir en terre de Saint-Alain-Sébons. Aujourd'hui, 7 septembre, nous sommes heureux de vous accueillir, bien sûr, dans notre village. L'ensemble des agriculteurs de notre commune se félicite de l'intérêt, madame la sous-préfète, que vous leur apportez en venant auprès d'eux. Vous saluez tout particulièrement, madame la sous-préfète, vous souhaitez la bienvenue sur notre territoire et vous montrez que notre territoire est un territoire dynamique au niveau de l'économie, et c'est bien ce dont on parle aujourd'hui. Quand on parle agriculture, on parle économie, et au-delà de tout ce que vous avez pu entendre, les choses magnifiques dites par chacun, et notamment par moi, depuis que vous êtes arrivé, on voulait que vous gardiez un souvenir particulier de votre première sortie sur cet arrondissement de la Tour du Pin. On espère que, mais j'en suis sûr, et vous nous le direz tout à l'heure, que vous en avez pris plein les mirettes et pas que plein les oreilles. Nous sommes dans un endroit unique. Nous sommes à Saint-Alain-Sébons. Et vous verrez dans mes propos, même si j'essaye toujours de faire des clins d'œil à tous les copains élus, et ils ne m'en voudront pas, ou futurs élus, pardon, mais aujourd'hui, je crois qu'on sera tous d'accord pour dire que Saint-Alain-Sébons est bien la plus belle commune de France.
leur avais dit de pas klaxonner, mais il n'y en a pas un qui m'a écouté. Et derrière, en rouge, bénévole, c'était l'équipe de Robert.
cette équipe, c'était l'équipe du Comis. Il y en a plein d'âmes, il y en a encore plein la buvette. Il y en a qui dorment, pour d'autres qui ont. Ces gens-là, en fait, avec les agriculteurs, ils ont fait le Comis. Ils ont fait ces deux jours, ils ont fait que l'on ait pu se retrouver. Et ils ont fait qu'on ait pu une nouvelle fois aimer l'agriculture. Pour Robert et pour toute son équipe et tous les bénévoles, un grand bravo. On remercie tous les participants, tous ceux qui sont venus nous voir. Et également, on remercie tous ceux qui ont participé de loin ou de près. Pour les agriculteurs et publics. Le premier prix est remis au char à cheval autour de Morgane de Saint-Denis.